bonjour à vous tous, c'est Maddy. Alors, un tirage space aujourd'hui, donc je préviens, hein, ça risque peut-être de choquer certains ou certaines, donc ne regardez pas ce tirage, ça sert à rien. Et donc là, on va parler des gens qui sont vax, plus loin, innés. Et on va voir un petit peu s'il peut y avoir des conséquences pour eux, alors à plus ou moins long terme, sur leur organisme. C'est-à-dire, ben, est-ce qu'il va y avoir des effets secondaires, hein. Voilà. Donc, je vais prendre la triade pour voir. Et puis, s'il faut affiner, j'irai voir s'il peut y avoir un autre jeu que je peux utiliser. Alors. Voilà. Donc, je vais poser la question dans ma tête. Donc, je ne fais pas de distinction de vax. Hein. On va tous les mettre dans le même panier, si je puis dire. Surtout ceux qui sont expérimentaux, hein, d'accord? Pas les traditionnels, le chinois ou je sais pas quoi. Voilà. Donc, paix et temps. Bon, alors déjà, la coupe me dit que au départ, ça ira. Et puis, il faut voir plus loin dans le temps parce qu'il y a une question de temps qui intervient. Voilà. Donc, on va les mettre ici. Alors là, c'est le sang qui sort, hein, parce que au niveau de la triade, c'est pour ça que j'utilise ce jeu aujourd'hui, c'est qu'on peut avoir les organes en relation avec les cartes. Et ça, c'est le sang. Méditation, psychisme. Alors, il y a le sang. Et il peut y avoir aussi les questions de psychisme, mais ça va être annoncé. Il y a quand même la notion de cycle qui se termine ici. Donc, c'est comme s'il fallait que le fameux VACCIN fasse une espèce de cycle. Alors, peut-être le tour hein, dans l'organisme qui se déplace, par exemple. Donc, il va bien y avoir une question de temps. Hein, c'est la dernière carte du jeu. Donc, il y a bien quelque chose qui se finit. Donc, pour moi, c'est peut-être pas tout de suite, mais il y a bien des questions de sang. C'est le sang, d'abord, qui ressort ici. Les questions au niveau du sang, ouais. Mais bon, on va l'apprendre, hein, ça va être annoncé. Hein. De toute façon, ça ne pourra pas toujours être tu, donc ça ne pourra pas être toujours caché. On va essayer d'en savoir plus sur les trois cartes, ici. Alors, il peut y avoir aussi des questions d'intestin ici et de reins, hein, si je regarde toujours par rapport aux organes. Donc, les intestins, les reins, bah, tout ça, c'est plutôt au niveau des organes digestifs, enfin, le bas du corps, avec le sang. Et là, là par contre, c'est plus la question de temps. Et ce ne sera pas tout de suite. Hein. Il y a une attente. Ouais. Disons qu'aussi, ça veut dire que ça, ça ne va pas être annoncé tout de suite. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment retarder les annonces au sujet justement des effets néfastes. Et on ne le saura peut-être pas tout de suite de façon officielle. Donc confirme-moi que c'est vraiment quelque chose de qui peut être grave. Alors il y a quand même une protection là. Mais oui, mais non, ça c'est encore le fait qu'ils se protègent. Alors attendez. Parce que là, il me dit vraiment qu'il va y avoir une espèce de déni ou de non-annonce dans l'immédiat. Parce que l'annonce, elle est là, mais elle est vraiment retardée. Il y a une protection ici. Bon. Par contre, je vais demander, est-ce que c'est vraiment des choses qui peuvent être graves? Alors, il y a la question de circulation aussi. Bon. Mais est-ce qu'il y a une mise en danger de la vie? Ben, quand même, hein, ça va être difficile, hein, ouais. C'est des gens qui vont se trouver dans une situation difficile. Tout à fait. Mais voyez, j'ai bien la carte du temps qui sort, donc ce ne sera pas tout de suite. Alors, cette situation difficile, c'est aussi parce que ils ne sauront pas quoi faire pour résoudre le problème. Ils ne sauront pas quoi faire pour résoudre le problème, et puis aussi, ils ne sauront pas vers qui se tourner. Hein. C'est vraiment, on est perdu dans le tunnel. Parce que quand on a ces effets néfastes à cause de la piqûre, hein,
Eh bien, que faire? Que faire? Comment résoudre le problème? Alors, il y a les problèmes de cœur aussi. Il y aura un problème au niveau du cœur. Alors, je crois qu'il y en a déjà, en fait, hein. Mais là, ça, c'est vraiment le cœur. Donc, on a vu les problèmes de circulation, les problèmes au niveau du sang, les reins, les intestins. Et là, c'est le cœur. Bah, ça fait déjà pas mal, hein. Ouais, alors cette carte-là, j'ai vu que c'était aussi en relation avec le système sanguin, ça, ou les poumons. Donc, bon, bah, c'est déjà pas mal d'organes qui sont touchés, hein. Alors, on va rester là. Donc, à mon avis, c'est pas... Ouais, et puis j'ai l'adversaire. Donc, très mauvaise carte. Là, c'est la plus mauvaise carte du jeu avec le malheur, hein. Donc, oui. Alors, non seulement il va y avoir des effets secondaires, enfin des effets néfastes très graves, mais en plus, j'ai la carte du 666, hein, franchement, mais en plus, ils ne sauront pas quoi faire. Hein. Il n'y aura personne pour les aider. Hein. Ah, j'aime pas cette carte-là. Je pense que vous non plus. Hein. Satan, je vous la montre. Hein. Satani Maleficio. Ouais, c'est vraiment quelque chose de catastrophique. Hein. Clé. Alors, il y a quand même une solution à voir. Où est-ce que c'est la clé? Ah, attendez. Ben, non, en fait, la solution me dit qu'il ne faut pas le faire, tout simplement. Il faut couper. Hein. Faut pas le faire. Alors ça peut être la piqûre, mais c'est aussi le fait de couper. Donc pour moi, il faut pas faire. Hein, j'interprète la carte comme ça. Hein. La seule solution, c'est non. Nécessité de ne pas faire. C'est très nettement un avertissement du jeu. Là. Voilà. Sinon, puni. D'accord? Sinon, problème. Bon. Donc, ben, ça va être grave. Oui. Alors, j'ai vu les différents organes. Hein, il y a le sang qui est sorti en premier quand même. Hein. Il y a le cœur qui est là. Alors, il peut y avoir le psychisme, mais je pense aussi qu'il y a aussi tout ce qui est organes digestifs, hein, reins, vessies, intestins, les problèmes de circulation. Donc, ça fait quand même beaucoup. Hein. Alors, il doit y en avoir certainement d'autres encore. Mais ce que je trouve de plus intéressant ici, c'est que d'abord, ça va être vraiment galère, hein, si je puis me permettre. C'est les gens qui vont se trouver dans le tunnel et qui ne vont pas trouver d'aide. Alors, c'est quand même pas tout de suite. Hein. Alors, au niveau du temps, alors 4-5 mois, ça peut. Alors, est-ce que ça peut être 4-5 ans aussi? Ça, c'est possible aussi. Hein. Alors, est-ce que c'est rapide? On va voir. Hein. Mais je pense que c'est vraiment au cas par cas. Ça peut être pour certaines personnes rapide, d'après ce que j'ai entendu. Et puis pour certaines personnes, ça peut mettre plus de temps. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un truc qui va se développer dans le temps. Hein. Ouais. Alors, il y a ça. Il y a ça. Ça, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Et la seconde chose, c'est que ça va toucher aussi les organes féminins. Attention, ça, c'est les ovaires. Hein. Attention aux questions de fertilité. Attention. Ça peut être grave, là. Très grave. Ouais. Vous voyez, j'ai la carte de l'épreuve qui sort. C'est-à-dire que si certaines personnes se font piquer, eh bien, si ce sont des jeunes femmes, pour ensuite avoir des enfants, ça va être la croix, la bannière. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Faites attention, hein, s'il vous plaît. Hein. Bon. Donc, il y a vraiment les organes féminins qui sortent ici. C'est vraiment... Bon, voilà. Donc, c'est tout pour ce tirage Space. Il est assez court. Donc, pour répondre à la question qu'on m'a posée, oui, c'est néfaste. Il y a plusieurs organes qui peuvent être touchés. Je vous les ai énumérés. C'est une question de temps. Alors, j'ai vu 4-5 mois. Ça peut être 4-5 ans. Là, par contre, au niveau du temps, c'est individuel. Ça dépend vraiment de chacun. Je dirais que c'est quand même limité jusqu'à 4-5 ans. Allez.
Donc, soit c'est rapide dans le quelques mois, plus tard, soit quelques années. Mais c'est limité, hein. Ce ne sera pas dans 10 ans, hein. Ce sera avant. Et puis, ça peut vraiment toucher. Et là, c'est un net avertissement. Ça peut toucher vraiment les organes féminins. Donc, la clé, la seule clé, c'est ne faites pas. Hein. Coupez. Quelle est ma carte avec les trois parcs? Elle est en dessous ici. Donc, ne faites pas. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et puis, merci vraiment beaucoup de votre fidélité. Moi, je ne suis pas médium. Hein. J'ai eu des flashs dans le temps, on va dire. Alors, j'en ai encore quelques-uns parfois quand je ferme les yeux. J'ai plein d'images qui me viennent en tête, c'est vrai. Mais sinon, c'est plutôt les cartes que je sens là. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques. Au revoir.